Jonathan Boatou, 1-1 contre Lokeren. J'ai vu que vous êtes très déçu jusqu'après le match. Ouais, c'est clair, parce qu'on on avait joué pour les 3 points et on n'en a eu qu'un au final. Donc c'était pas ce qu'on avait prévu au début du match. On jouait pour les 3 points et non pour le match nul. Et voilà, on n'a pas perdu, mais on n'a pas eu les 3 points. Je crois que dans le premier temps, Lokeren a fait beaucoup de pression, c'est vrai? Ils ont dominé, on va dire, la première mi-temps. Ils étaient plus dans notre moitié de terrain que nous, on était dans leur. C'est clair qu'on a eu assez difficile la première mi-temps, mais je pense qu'on a bien redressé la barre en deuxième mi-temps. La phase avec vous et Miric, le penalty pour Lokeren, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, personnellement, il n'y a pas penalty. Voilà, il a été malin. Il voit que je vais au sol, alors il cherche le contact, quoi. C'est lui qui va vers moi que moi vers lui. Après, voilà, c'est intelligent de sa part. Il a été malin. C'est dommage. Voilà. Pour moi, il n'y a pas penalty, mais après, l'arbitre, il le sait. Je ne peux rien faire à part. Par essayer de rouspéter, mais bon, il va pas dire non, il n'y a pas penalty, donc voilà, c'est vraiment dommage. Maintenant, le match au Westerlo, très important déjà pour Waasland-Beveren. Ah ben ouais, c'est sûr que, surtout qu'on n'a pas pris les 3 points aujourd'hui, donc ça reste encore plus important de prendre les 3 points à Westerlo que vu qu'on n'a pas gagné contre Lokeren. Donc ça va être un match très important là-bas. Ouais. Merci pour votre réaction. Siebe Schrijvers 1-1 tegen Lokeren, met wat voor een gevoel bleef je dan achter? Ja, toch een beetje een pijnlijk gevoel, want vooraf de wedstrijd ben je nooit tevreden met een gelijkspel, denk ik. Maar goed, in de tweede helft creëer je toch de beste, in de eerste helft creëer je toch de beste kansen. Ik denk dat we op de paal koppen en een doorstik pas van mij. Ik denk dat Florian op koppen besluit. Maar goed, als je op 10 minuten van het einde van de wedstrijd 1-0 achter staat, denk ik dat je tevreden moet zijn met een gelijkspel. En toch doet het een beetje pijn en blijven met een dubbel gevoel achter, denk ik. Enkele minuten voor tijd kregen we dan die penalty. Wie had het meeste stress voor die penalty, de supporters of jij? Ja, ik probeer mij gewoon af te sluiten van de wereld op dat moment. Daar heb ik al mental training wat gehad. En, het is een beslissend moment, maar als je kalm genoeg bent, dan moet je die erin stampen. En, het zou pijnlijk geweest zijn, moet ik gemist hebben. Maar goed, is het erin en daar hoeven we niet meer verder over te babbelen, denk ik. Ook na de wedstrijd, de supporters langs één kant blij. Gaven jullie een applaus? Wilden dan ook een feestje opzetten? Maar bij de spelers was het toch een dubbele reactie? Ja, tuurlijk. Er wordt wel eens gezegd dat een derby niet gespeeld, maar gewonnen wordt. Dus ik denk dat we met een dubbel gevoel achterblijven, zoals ik al gezegd heb.